Un tailleur avait un fils qui était né minuscule et n'avait jamais dépassé la taille du pouce. C'est pourquoi on l'avait appelé le petit poussé. Mais, si petit qu'il fût, il avait du cœur au ventre. « Père, dit-il un jour, je veux et je dois m'en aller pour connaître le monde. » « Tu as raison, mon fils, répondit le père, qui prit une longue aiguille, y souda une garde de cire à cacheter qu'il fondit sur la chandelle et la lui tendit. « Tiens, te voici une épée pour la route. » Le minuscule tailleur, qui voulait partager le dernier repas avec ses parents, sauta jusqu'à la cuisine pour voir un peu ce que madame, sa mère, avait cuisiné. « Madame, ma mère, que nous donnes-tu aujourd'hui à manger ?»« Regarde toi-même, dit la mère. » Alors le petit poussé sauta dans la cheminée et regarda dans le chaudron. Mais comme il avait trop tendu le cou en se penchant sur la marmite, la vapeur qui montait du bouillon l'enleva et l'emporta par la cheminée. Un moment, il chevaucha les airs sur cette vapeur, puis il redescendit par terre. Et le petit tailleur, qui se trouvait du coup au milieu du monde extérieur, commença son voyage et s'en alla d'abord s'engager chez un maître tailleur. Mais dans cette maison, la nourriture ne lui plaisait pas. « Madame la maîtresse, si vous ne me donnez pas une meilleure nourriture, je m'en irai d'ici. Et demain de bonne heure, j'écrirai à la craie sur votre porte trop de pommes de terre et pas assez de viande. Adieu, roi des patates. » Oh, et puis quoi encore? Non mais regardez-moi cette petite sauterelle de rien du tout, cria la maîtresse de maison en colère, empoignant un torchon pour en frapper notre poussée. Mais le petit tailleur sauta se mettre à l'abri sous le dé, glissa un œil au dehors et tira la langue à la maîtresse. Attends un peu que je t'attrape, cria-t-elle en prenant le dé entre ses doigts pour s'emparer de l'insolent. Mais le dé était vide, car déjà le petit poussé avait sauté se cacher dans le torchon. Et quand elle secoua le torchon pour le trouver, il s'était glissé dans une fente de la table. Hé, madame la maîtresse, l'appela-t-il en sortant sa petite tête. Elle voulut le frapper d'un coup de torchon, mais il était déjà dans le tiroir, où elle finit quand même par le trouver, le prendre et le jeter dehors. Le petit tailleur s'en alla sans souci, marchant droit devant lui, et arriva ainsi dans une grande forêt où il fit la rencontre de bandits qui s'apprêtaient à dévaliser le trésor du roi. En voyant le petit bout d'homme, ils se dirent « En voilà un qui peut nous rendre de fiers services !»« Dis donc, mon gaillard !» cria l'un d'eux. « Que dirais-tu de nous accompagner à la salle du trésor? Tu pourrais t'y faufiler et nous passer l'argent ?» Le petit poussé réfléchit un moment, finit par accepter et s'enfuit avec eux à la salle du trésor, dont il examina la porte de haut en bas pour voir si elle n'avait pas une bonne petite fente quelque part. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir ce qu'il cherchait, une fente assez large pour qu'il pût s'y glisser. Il allait s'y engager quand l'une des deux sentinelles en faction devant la porte l'aperçut et dit à son compagnon de garde « Qu'est-ce que c'est que cette espèce de vilaine araignée qui rampe là? Je vais l'écraser. »« Bah, laisse-la tranquille, la pauvre, elle t'a rien fait, » répondit l'autre soldat. Pendant ce temps, le petit poussé avait heureusement passé à travers la fente et se trouvait à l'intérieur de la chambre du trésor. Il alla ouvrir la fenêtre sous laquelle attendaient les bandits. Et il commença à leur jeter les écus d'or, un à un. Il était en plein travail quand il entendit le roi qui venait admirer ses richesses. Et vite, vite, il se cacha. Le roi remarqua bien que nombre de beaux écus d'or manquaient. Mais il n'arrivait pas à comprendre qui avait bien pu les voler, puisque toutes les serrures et tous les verrous étaient intacts et parfaitement fermés. Au bout d'un moment, le roi s'en alla et dit aux sentinelles devant la porte « Ouvre l'œil, il y en a qui en ont après mon argent. » La porte refermée, Petit Poussé s'était remis au travail.
Mais les sentinelles entendirent les écus qui dansaient à l'intérieur et qui sonnaient. Ils se précipitèrent à l'intérieur pour s'emparer du voleur. Mais le petit poucet les avait entendus et il s'était montré beaucoup plus rapide, sautant dans un coin pour se cacher derrière un bel écu brillant. Il s'était glissé dessous et personne ne pouvait le voir. Alors il s'offrait le luxe d'appeler les gardes pour se moquer d'eux. « Hé, je suis ici !» Les sentinelles accoururent. Mais le temps qu'elles arrivent, il était déjà sous un autre écu, dans un autre coin, et leur criait « Oh, je suis là !» Les soldats y bondirent, mais le petit poucet ne les avait pas attendus et criait d'un troisième endroit « Oh, hé, je suis ici !» Puis ailleurs et encore ailleurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les soldats, las d'être moqués, s'en allèrent et reprirent leur garde devant la porte du trésor. Aussitôt, les pièces d'or reprirent le chemin de la fenêtre. Et tous les écus y passèrent prestement. La dernière pièce, Petit Poucet l'expédia de toutes ses forces, sauta dessus et s'en alla avec elle par la fenêtre pour venir tomber au milieu des autres. Bandit ne tarissait pas d'éloge. Tu es un vrai héros. Veux-tu être notre chef ? Le petit poucet les remercia, mais s'excusa, car, leur dit-il, il voulait d'abord voir le monde. Quand ils firent le partage du butin, notre minuscule tailleur ne put rien prendre qu'un petit sou, n'ayant pas la force de porter autre chose avec lui. Il boucla alors le ceinturon de son épée, souhaita le bonjour à la bande et prit la route entre ses gens. Ici ou là, il entra à travailler chez certains maîtres tailleurs, mais ce genre de travail ne lui plaisait guère. Et pour finir, il loua ses services comme valet dans une auberge. Mais là, ce furent les servantes qui le prirent en grippe parce qu'elle n'arrivait jamais à l'apercevoir, alors qu'il voyait tout ce qu'elle faisait en cachette, se trouvant toujours là pour les surprendre et aller raconter au patron combien d'assiettées elles avaient mangé à table ou ce qu'elles avaient chipé dans le garde-manger pour leur compte personnel. Attends un peu, nous allons te le faire payer, pensèrent-elles. Elles complotèrent en cherchant quelque vilain tour à lui jouer. Un jour que l'une d'elles était en train de faucher dans le jardin, voyant le petit poucet batifoler et gambader parmi les hautes herbes, elle s'empressa de faucher l'endroit et de le ramasser avec l'herbe, qu'elle alla bien vite porter aux vaches en cachette. Parmi les vaches, il y en avait une grosse et noire qui l'avala avec son herbe, mais sans lui faire de mal. Dans le ventre de la bête, il ne se plaisait pas, mais pas du tout, parce que c'était tout sombre et qu'il n'y avait pas la moindre lumière dans ces noires ténèbres. Quand on vint traire la vache, il se mit à crier « Trèche, triche, train, le seau n'est-il pas bientôt plein ?» Mais nul ne l'entendit à cause du bruit que faisait le lait en fusant dans le seau. Et cela ne servit de rien. Un peu plus tard, arriva l'aubergiste dans son étable. « Nous allons abattre cette vache demain !» dit-il devant la grosse vache noire. Petit Poucet, dans le ventre de la vache, fut pris d'une telle peur qu'il se mit à crier de toute sa petite voix claire. « Laissez-moi d'abord sortir, je suis dedans !»« Où es-tu ?» demanda le maître, qui avait fort bien entendu cette voix, mais ne savait pas d'où elle pouvait venir. « Dans la noire, dans la noire !» cria le poucet. Mais le maître ne le comprit pas et s'en alla tout bonnement. Le lendemain matin, la vache fut abattue et découpée. Par bonheur, le petit poucet passa entre les coups de hache et les coups de couteau sans y laisser sa vie.
mais il resta prisonnier au milieu de la chair à saucisse. Et lorsque le boucher s'approcha et se mit à hacher, le petit poucet hurla de toute la force de ses poumons. « Pas trop menu, pas trop menu, je suis au milieu de la viande !» Mais à quoi bon? Avec le bruit que faisait le hachoir, personne ne pouvait rien entendre. Petit poucet se trouvait à présent encore en péril. Mais le péril donne du nerf et fait marcher les jambes. À force de sauter et de bondir de ci de là, il réussit à passer entre les couteaux du hachoir sans dommage pour ses membres. Et il sauva sa peau. Mais sortir de là, il ne le pouvait pas, quoi qu'il fît. La vie qu'il venait de sauver n'avait, au bout du compte, pas d'avenir ailleurs qu'à l'intérieur d'une saucisse. Ce domicile était plutôt exigu, à vrai dire. Et il lui fallut de plus se trouver suspendu dans la cheminée pour y être fumé. Ce qui fit que le temps de cet interminable séjour lui parut plutôt long. Mais enfin, en plein hiver, arriva le jour qu'il fut dépendu, car la saucisse était destinée à l'assiette d'un client. Aussi, quand l'aubergiste, dans sa cuisine, se mit à couper la saucisse en tranches, le petit poucet fit-il bien attention de ne pas avancer sa tête au dehors pour ne pas risquer de se faire couper le cou. Libéré enfin, il respira le bon air du dehors et bondit pour se sauver. Dans cette maison, où il en avait tant vu, il n'avait pas l'intention de rester une seconde de plus. Sa seule hâte étant de reprendre la route pour aller voir du pays. Pourtant, sa liberté ne fut pas de longue durée. En pleine campagne, il se trouva nez à nez avec un renard qui l'avala sans même y prendre garde, tout en rêvant à autre chose. Hurla le petit homme. Je suis déjà au beau milieu de votre gosier. Laissez-moi reprendre ma liberté. Tu as raison. Toi ou rien, c'est la même chose. Répondit le renard. Je te laisse sortir si tu promets de me donner les poules qui sont dans le poulailler de ton père. De tout mon cœur. Les poules, tu les auras toutes, jusqu'à la dernière. Je te le promets. Alors le renard lui rendit sa liberté et le porta lui-même jusque chez lui, dans la maison paternelle. Et quand le père retrouva son cher petit bout de fils, il fut si heureux qu'il donna bien volontiers ses poules au renard. « Père, annonça triomphalement le petit poucet à son père, je te rapporte une bonne petite somme d'argent. » Et il lui tendit la pièce d'un sou qu'il avait gagné au cours de son périple. « Mais pourquoi le renard s'est-il vu donner toutes les malheureuses poules sans qu'elles eussent rien à dire ?» Petit sot, comme si ton père ne préférait pas son enfant à ses poules.